Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de la formule unificatrice de composition de fonction avec la fonction puissance. Alors nous allons choisir la fonction u de x égale x à la puissance n. Ensuite nous allons prendre comme exemple illustratif la fonction affine v de x égale à x plus b. Nous effectuons la composition dans un sens puis dans l'autre pour bien voir la différence. La composition n'est pas une opération commutative, donc le sens est important. Nous calculons la dérivée. L'expression de la dérivée, nous vérifions la différence entre une expression qui ne permet pas d'évaluation et une fonction qui permet d'évaluer la valeur en une certaine valeur donnée pour x. Puis la dérivation de la composition dans l'autre sens. Maintenant, changeons de fonction. Nous allons prendre, par exemple, la fonction exponentielle de x. Voilà, donc voici la composition dans ce sens, la composition dans l'autre sens, la dérivée de la fonction composée, l'expression de la dérivation composée, la vérification que l'expression n'est pas une fonction, l'évaluation de la fonction dérivée, donc il y a un calcul explicite, et la dérivée de la composition dans l'autre sens. Prenons encore un dernier exemple pour changer un petit peu. Prenons la fonction cosinus de x. Voilà la composition. Voilà la composition dans l'autre sens. Voilà la fonction dérivée de la composition. Voilà l'expression de la dérivée de la composition. Voilà l'évaluation qui prouve que ce n'est pas une fonction et bien une expression. Et voilà l'évaluation avec la fonction. Et voilà la fonction dérivée dans l'autre sens et l'évaluation de la dérivée dans l'autre sens. Vous savez maintenant dériver les fonctions composées du type puissance.